Salut tout le monde, François Lemay ici. Je suis présentement en direct de Paris. Où est-ce que j'avais un petit flash pour vous? Je viens juste d'allumer quelque chose, vous voyez, en même temps que l'Euro 2016 qui a eu un gros rassemblement ici hier. Je suis en train de regarder le paysage, regardez, de prendre la hauteur, d'aller. On est allé au sommet, si vous voyez par ici, n'ayez pas trop mal au cœur. On était en haut tout à l'heure, on est rendu à mi-chemin et je suis en train de regarder les bâtisses, puis je me suis dit, des fois, prendre la hauteur sur la situation qu'on est en train de vivre, ça fait du bien, de se distancer de nos défis, de nos problèmes. Parce que quand on reste en plein milieu de ces défis-là, en plein milieu de ces problèmes-là, on a la difficulté à voir clair, on a la face dedans, et on essaie de persévérer, on essaie de transformer cette réalité-là, et ça ne fonctionne pas. Donc, un des grands trucs, c'est de vraiment prendre la distance, de voir ça comme d'un autre niveau de conscience. Einstein disait, on ne peut pas solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. On ne peut pas solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. Donc, d'arriver à prendre la distance et être capable de voir plus haut en réalité, qu'est-ce qu'on fait comme expérience? D'essayer de voir s'il n'y a pas des solutions dans ce jeu-là. Donc, imaginez un match de foot ou un match de hockey, mais le directeur général, il est dans les estrades puis il regarde la partie, comment ça se présente pour amener des solutions. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager, cette prise de conscience-là, de dire, OK, avec ce que je vis présentement, au lieu de me forcer, de me buter à essayer de trouver une solution, est-ce que je peux essayer de prendre un recul sur ma situation, essayer de me calmer, voir plus clair dans le jeu et prendre des décisions conscientes et cohérentes. Alors, c'est François Lemay pour une petite vite en pleine conscience avec une voix rauque aujourd'hui en direct de Paris. J'avais envie de vous faire un beau coucou. Salut tout le monde, je vous aime, je vous adore. À très bientôt. Bye bye.